Camp intermédiaire, là on est à Gastoli, là où on vient de séjourner 2 jours, et on part en direction de Green Camet, qui est le camp de base juste avant le glacier. Et aujourd'hui on va faire un camp intermédiaire vers 4400 mètres. Green Camet c'est 4800, donc on fait des progressions de 400 mètres par jour. Voilà, on lève le camp, on part dans quelques minutes. Ça me fout la trouille. Ça paraît trop haut, trop loin, trop tout. On va partir s'acclimater sur l'arête qu'on voit derrière, là, qui commence par le pierrier. On va partir, normalement on a prévu 3 bivouacs, à peu près tous les 500 mètres pour monter progressivement et dormir un peu en dessous de 7000 mètres. Dément, on a plus de 6000. Tire, hein. On va en avoir la trace là. Voilà d'où on vient, toute cette magnifique arête suspendue entre 6000 et 6002. Des boîtes, hein. Bravo, Seb. Après une phase d'acclimatation écourtée par le mauvais temps, nous scrutons le Camet de façon à trouver la ligne la plus évidente dans cette face complexe et raide, haute de 2000 mètres. Après quelques jours de repos, Yann Guizendanner de Météo France nous annonce un beau créneau météo. Une question se pose. Terminer notre acclimatation ou s'engager ? Ah, ce qui nous attend, les goulottes au-dessus là. C'est sévère, hein.
sur elle et nous on prend la rampe à droite là. Quelle horreur. Je sais pas combien elle a fait de mètres de dénivelé au final. Complètement défoncé. Ok quand même. Hein, oh. Ah. C'est notre petit perchoir pour la nuit. Deuxième bloc. Là, on a réussi à bien terrasser. On a bien installé. Bon, je me rappelle. Content d'être soldat, ça te rappelle quelque chose? Ouais. C'était où? On a mis tu vois, non? Ouais. Bon, là, c'est un cran au-dessus. Un petit cran, comme on dit. La trash. Ah, faut qu'on aille chercher ces rampes où ça fume là-haut. Là. Ah, ça donne pas envie. Hein. Bon, ça va? On commence à sentir vraiment l'altitude, un peu la fatigue. On approche les 7000 là. On est à 7000. Oh là là! Oh, l'éclaircie qui fait du bien quoi. Oh putain! La mouette dans le névé. Ouh. Et maintenant on essaye d'aller au sommet le plus light possible. Il reste quoi? Il reste encore un peu de bordel. 100 mètres. Quelle stratégie possible? Ah, vas-y. Très lâche. C'est dur. Voilà, bordel de merde, ouais. Je crois qu'on a le droit de dire 2-3 gros mots quand on est là. Normalement, il faut pas dire des gros mots. Mais là, on va bordel. On va en dire quand même. Putain, le vent, ça va niquer le vent. Quoi? Au sommet, il n'y a pas de vent. C'est top. Alors, il y a, on a ramassé quand même. 7775 mètres. Oh, elle est solide. Salut Seb. Descente d'aujourd'hui là après le bivouac à le deuxième bivouac à 7450 à bout. On n'a rien plus à boire, plus rien à bouffer. Et puis surtout on en a forcé pour faire le sommaire. On s'est posé comme des clébs dans la tente. Et là la descente aujourd'hui, j'étais vraiment taqué.
J'ai essayé d'économiser mes mots, mais les gens me comprenaient pas. Plus du style alpin sur la plus grosse montagne du monde, hein. Plus jamais. Oh. De acuerdo, cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede decir lo que le guste, mientras yo sea y el que disfrute. No quiero que nadie se me ponga por el medio cuando estoy hablando con mis coleguitas y nos contamos mil batallitas. Y ven aquí y siéntate a mi lado. Desde mi momento estás un poco despistado. ¿Qué te parecería tener una de esos junto al mío? Ya me lo tengo todo muy bien colocado. Cosa es fácil, tú no ganas. Que para esa cosa yo ya tengo una boga. Se atrasa en prensa, en televisión. Ya da hombre, así somos la mogollón. Tras un yate y un avión. Y con un poco de suerte llegarás a donde yo. En ese momento de mi nada sabrá. Tú y yo estaré perdido en el país de nunca jamás. Pues entre consejo, joven emprendedor. A veces en esta vida se tiene que ser cabrón. Hay unos que lo consiguen con mucho sufrimiento. Y otros como yo, los somos de nacimiento. Sí, soy yo, que lo tengo bien aprendido. Ay, ay, ay.